Salut à tous et bienvenue sur Geeksme, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que j'ai minutieusement sélectionné à l'approche de Noël. Cette semaine j'ai donc décidé de vous présenter une petite enceinte portable de la marque JBL, cette enceinte s'appelle la JBL Clip 2. Reprenant la forme circulaire des précédentes générations d'enceintes Clip et Clip Plus sorties respectivement en 2014 et 2015, la JBL Clip 2 a pour le coup eu le droit à un petit restylage, sa forme est désormais plus arrondie, quant aux matériaux ils ont aussi été changés. Désormais on a le droit à une coque en plastique avec un revêtement soft touch, ce qui concrètement se traduit par une surface douce et donc très agréable au niveau du toucher. La coque paraît assez solide quant à sa face avant, elle est recouverte d'un tissu qui paraît aussi de bonne qualité et assez résistant puisque celui-ci est étanche et certifié IPX7, ce qui veut dire qu'elle peut être plongée dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant maximum 30 minutes. Niveau ergonomie, c'est vraiment positif puisque l'enceinte est vraiment agréable et facile à prendre en main, compacte et légère puisqu'elle ne pèse que 184 grammes. La JBL Clip 2 a clairement été conçue pour des utilisateurs nomades qui souhaitent tout simplement pouvoir écouter leur musique dans différents endroits. La JBL Clip 2 est vraiment pratique puisqu'elle peut être utilisée à distance grâce à sa connexion sans fil Bluetooth. Niveau connectique, on a droit à un petit câble audio jack de 3,5 mm directement intégré à l'enceinte. Celui-ci bénéficie d'un système assez ingénieux puisqu'il est tout simplement enroulé autour de celle-ci, ce qui vous permettra d'y raccorder différents appareils comme par exemple un smartphone, une tablette ou encore un simple lecteur MP3. Toujours côté connectique, on retrouve une prise micro USB qui vous servira à recharger l'appareil grâce au câble USB micro USB fourni dans la boîte. 2h30 suffiront pour ensuite recharger sa batterie et assurer jusqu'à 8 heures d'autonomie. Comme vous pouvez le voir, l'enceinte est équipée d'un mousqueton en aluminium, celui-ci va vous permettre de venir la fixer sur différents vêtements ou supports, comme par exemple ici à la sangle d'un sac à dos. Il est donc tout à fait possible d'imaginer l'avoir avec soi lors de ses déplacements ou lors de ses voyages, ou encore lors de vos activités sportives. Sur l'un des côtés de l'appareil, on retrouve un bouton d'allumage ainsi qu'un bouton pour activer la connexion Bluetooth. Et de l'autre côté du produit, on retrouve les boutons du réglage du volume, ainsi qu'un bouton pour prendre les appels lorsque vous êtes connecté avec vos smartphones. Niveau fonctionnement, elle est relativement simple à connecter puisqu'il suffit de la mettre sous tension et ensuite d'appuyer quelques secondes sur le bouton de connexion Bluetooth pour que l'appareil soit visible dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone, de votre tablette ou encore de votre ordinateur. La JBL Clip 2 propose des prestations vraiment très intéressantes et très surprenantes pour un si petit appareil, puisque son haut-parleur de 40 mm d'une puissance de 3 watts assure une restitution audio de qualité avec un rendu puissant mais équilibré. Même à fort volume, l'écoute reste agréable avec un son dynamique et plutôt chaleureux. Ce produit vous permettra de sonoriser sans problème une chambre ou un salon d'une vingtaine de mètres carrés. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir la JBL Clip 2 en fonctionnement histoire que vous puissiez avoir un petit aperçu de sa restitution audio. Au final, la JBL Clip 2 est globalement une excellente enceinte portable Bluetooth. Si vous êtes actuellement à la recherche d'un produit high-tech à offrir à Noël, eh bien c'est le produit que je vous recommande fortement. Compact, légère et très bien finie, elle est en plus équipée de ce fameux mousqueton qui vous servira pour l'accrocher facilement à un vêtement ou un sac à dos. J'ai aussi beaucoup apprécié sa restitution audio puisqu'elle propose un rendu chaleureux et équilibré qui s'accommodera avec tous les styles de musique. A noter que le produit peut aussi être couplé avec une autre enceinte Clip 2, ce qui vous permettra d'amplifier le son et de couvrir de plus grands espaces. Autre point positif, son étanchéité jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Et pour terminer, j'ai aussi beaucoup apprécié sa grande autonomie. Comme tout produit que je teste, évidemment, il y a aussi des points faibles et on pourra donc noter un léger manque de souplesse au niveau de la fixation qui relie le mousqueton à l'enceinte. Il aurait été vraiment pratique d'avoir un système qui permette de retirer le mousqueton beaucoup plus facilement quand on range l'enceinte par exemple dans un sac ou dans une valise. Un autre point noir concerne le câble audio jack qui est fixé directement sur le produit, il vous sera donc impossible de le changer si celui-ci venait à s'abîmer. Si maintenant vous êtes intéressé, sachez que la JBL Clip 2 est disponible en 5 couleurs et qu'elle est actuellement vendue sur Amazon au prix de 54,99€. Si maintenant vous souhaitez des infos complémentaires sur les spécifications techniques, je vous invite à aller faire un petit tour dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Je vous invite aussi à partager ce test sur vos réseaux sociaux. Et surtout, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne en vous abonnant. Vous ferez alors partie des premiers informés sur la mise en ligne d'une prochaine vidéo. Pour ma part, je vous retrouve comme d'habitude très prochainement. Portez-vous bien et à très bientôt sur Geeksme.